Bonjour, donc pour cette prochaine vidéo, on avait fait l'œil et d'autres parties. Donc là, j'ai avancé là toute seule parce que ça fait du bien de ne pas porter le portable. Mais j'aime bien vous montrer comment faire parce que ça peut, si cela peut vous aider pour vos prochains dessins animaliers, bah, ce serait super. Donc là, je fais cette partie qui... Là, après, sincèrement, le mieux, c'est observer. Après, je ne peux pas trop vous dire comment faire. J'essaie de, par mon ressenti, prendre telle ou telle couleur et tout. Mais c'est pas... Parfois, c'est pas trop que de la technique. Qu'on me demande pourquoi tu dis pas ça, pourquoi tu dis pas l'autre. Bah, parfois, observer, c'est la meilleure des choses à faire. Parfois, je vais peut-être un peu plus vite de ce qu'il faut. Donc, je devrais pas. Donc, ces vidéos, parfois aussi, me permettent d'aller moins vite. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est aller doucement, observer beaucoup votre sujet et avec la pratique, voilà. Là, par exemple, ici, c'est pas plat, donc il faut faire un petit. Parce que c'est comme un petit. Je sais pas comment dire, un petit bourrelet. Je sais pas. Enfin, c'est, il y a de la. De relief. Et je change beaucoup de couleurs, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, je le fais à chaque fois dès que je vois quelque chose que je voudrais faire, ben je le fais aussi. Je vais essayer de me concentrer quand même sur cette partie-là. Je vais essayer. Déjà, je serais quand même un peu organisée, parce qu'avant, j'aurais fait un petit peu là, un petit peu là, un petit peu partout. Bon, ben là, ça va. Regardez, là, je passe déjà là. Là, je vais faire cette partie-là, mais en fait, après, je vais le fond, donc je vais sûrement couvrir. Avant de mettre du très clair, comme le. C'est quoi? Du Jean de Naples, le mieux, c'est mettre un peu de gris, de marron, du gris, avant de mettre une couleur très claire.
J'aime un peu cette couleur à l'intérieur parce que je me dis que c'est pas que dans le vide, enfin, il y a des choses qui se passent à l'intérieur aussi. Et sur la photo, je vois pas, mais il y en a des choses qui.
Là, avant, je vais mettre les moustaches ici, mais ça sera la fin. Mais il faut quand même faire comme si c'était pas là. Donc, on fait comme si on n'allait pas les mettre. Et comme ça, on s'occupe de tout sauf des moustaches. Il y a une technique pour ne pas toujours tailler les crayons, c'est de le faire comme ça, c'est mieux, sur le côté. Et ça va faire comme un petit carré sur la pointe. Et on utilise on tourne le crayon pour faire d'autres traits. Donc là, je fais un trait comme ça. Mais si je tourne, je continue à faire le même trait de la même grosse, de la même largeur. Parce que la pointe finit par se fatiguer. Le carré bah, tient plus longtemps. J'aime bien ce gris clair de Pitt. Je sais pas si vous voyez le nom, non? Le 270. Je trouve que c'est un gris qui est très bien pour les couleurs dans l'ombre. Parce que là, c'est dans l'ombre, mais il faut mettre quand même du clair. Et sans mettre vraiment un gris. Voilà, bon, j'ai mis un gris avant, mais là, je vais mettre celui-ci. C'est pas le blanc, c'est clair. Vous voyez clair, mais dans l'ombre. Quand c'est un petit peu sale, du coup, on le met sur l'éponge. Je ne sais pas si je vous ai montré, je vous montre encore. J'ai ici bon, mes crayons, mais j'ai cette éponge toujours, donc je nettoie comme ça, vite fait, les pointes. Et c'est quand même pas mal. C'est une de mes élèves qui avait fait ça lors d'un de mes stages il y a quelques années. Et du coup, on l'a adopté, on l'a tous adopté. Sinon, j'avais le petit chiffon. Moi, j'ai toujours un petit chiffon ici. Je fais ça aussi, mais le mieux, c'est l'éponge.
Donc ça fait clair, mais si je mettais un jaune de Naples ici, par exemple, le jaune de Naples va éclaircir la partie claire, éclaircir un peu plus, ça va donner de l'intensité. Plus que le blanc. Le blanc va faire un effet terne. Je vais choisir, là j'ai un blanc, mais bon là il est tout déjà préparé, donc si je mets des petits peu de blanc, un peu de blanc, ça va, mais bon c'est pas grave. Si je mettais le blanc tout seul, par exemple, on va, où est-ce que je peux mettre le blanc? Bon là je vais préparer, bon là ici, ah, j'ai préparé aussi. Si je mettais ici, par exemple, que du blanc. Après, je vais le couvrir parce que ça, c'est pas une bonne chose à faire. Donc, ne le faites pas, c'est seulement pour vous montrer que mettre que du blanc. Et en plus, c'est pas que du blanc, ça. Ah, si, c'est du blanc. Si, c'est du blanc. Parce que parfois, il y a des blancs cassés. Là. Ça, avec tout ce qui va aller après. Ça sera jamais aussi joli et intense que si c'est, par exemple, là, ici, préparé et tout. Ça fait un blanc terne. Et du coup, bon, j'effacerai après. Voilà, comme ça. Mais bon, il faut pas le faire. Donc en fait, c'est une superposition de plusieurs couleurs à chaque fois. Dès que vous voyez une couleur plus intense, vous mettez plus intense le noir ou les clairs, mais pas du blanc. À la fin, vraiment à la fin, on pourra faire on pourra mettre des touches avec du blanc. Je m'écarte. Mais parfois j'oublie ce que j'étais en train de faire. En fait, c'est ce que je voulais faire ici. Même s'il y a du blanc, mettre du noir sur du blanc, enfin le gris clair,
ça réchauffe un petit peu. Et on peut remettre. Simple, si je mets le blanc, ça va être intense ici pour un peu.
Bon, là, je vais l'arrêter, sinon je vais faire cette partie-là. Okay. Je l'ai mis un peu trop haut. Parce que j'ai pris un qui est un peu grand. Tu vois pas. Mais je le sens un peu grand. Parfois, il faut savoir s'arrêter quand même, faire une pause. Voilà, du coup, j'ai quand même avancé un peu. À la suite pour la prochaine vidéo. Voilà, bye bye!